Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 7 juin, l'Église célèbre la mémoire de Saint Robert de Newminster, abbé. Saint Robert est né à Gargrave, en Angleterre, au début du XIIe siècle. Il étudia à l'Université de Paris, fut ordonné prêtre et servit comme curé à Gargrave. Il rejoint ensuite les bénédictins à Whitby, puis les cisterciens à Fountains. En 1138, il fonde l'abbaye de Winminster à Morpeth dans le Northumberland qui devint un lieu de pèlerinage. En tant qu'abbé, il fonda plusieurs nouveaux monastères et donna un bel exemple en conduisant ses moines à la sainteté. Il récitait quotidiennement l'intégralité des 150 psaumes du Psautier et se nourrissait avec parcimonie pour préserver son abnégation. Ce saint homme était également doté d'un spécial pouvoir sur les esprits maléfiques et il a guéri de nombreux possédés. Il est parfois représenté comme tenant le diable enchaîné et le domptant à l'aide d'un crucifix dressé. Robert était un ami proche du simple ermite Godric et lui rendait souvent visite dans son ermitage solitaire de Finchale où il discutait des mystères célestes. Au moment de la mort de Robert le 7 juin 1159, son ami vit son âme monter au ciel comme une boule de feu. Prions. Seigneur, au milieu des choses de ce monde, fais que nous soyons de tout cœur engagés dans les choses célestes, à l'imitation de l'exemple de perfection évangélique que tu nous as donné en Saint Robert l'abbé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Robert, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.